Hello there. What have you done? My mentor taught me everything about the Force, even the nature of the dark side. Where have you been? Bienvenue à tous au podcast de l'Empire du Québec, épisode numéro 3. Mm-hmm. On a présentement des petits problèmes techniques avec Superbe qui est avec nous sur Discord, mais il nous entend pas parler. Nous, on l'entend. Ouais, je suis là. T'es là, je tu nous entends? Oui! Yes, sir! Hey, c'est malade, on est chanceux. Hey, à la dernière seconde, il est arrivé. Comme ça, sur le fly. Ça blanche aussi est à dernière seconde. C'est malade, on est timé. 5 minutes avant. Eh oui, 5 minutes avant. Salut Balbu, salut à tout le monde qui se joigne avec nous en ce moment. Aujourd'hui, on a un bel épisode pour vous. On va parler de les Night Sisters et la Force Pika. D'accord. Has the oldest la Force Pika. Si on a un beau petit clip. I need you to resurrect our fallen sisters. On les aime tous. On les aime, hein? Thousand Daka qui sont là, qui disent des beaux mots. C'est pour ça qu'on fait ça, pour vous aider, spécialement pour la phase numéro 3, aussi Nihilus en phase numéro 4. Les deux Run Night Sister ont beaucoup de potentiel là, pour vous aider à faire des gros scores puis à contribuer au maximum pour votre guild pour pouvoir éclairer le site raid. Vraiment deux excellentes teams. Mm-hmm. Ouais. Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit shout-out à notre guild, nouvelle guild qui est avec nous, Québec Forever. Absolument. Ouais, bienvenue absolument. Dans l'Empire du Québec. Oui, vraiment cool que vous soyez avec nous. On va faire ce qu'on peut pour vous aider, pour vous donner des conseils pour le site raid, pour n'importe quoi, les TW, TB. On a pas mal de monde sur le Discord qui sont là pour vous donner pas mal d'informations si vous en avez besoin. Fait que juste à vous référer à n'importe qui. Posez vos questions. Non, vous avez juste à écouter les podcasts, vous allez avoir plein d'informations super utiles. Oui. On fait ce qu'on peut pour amener le plus d'informations possible. Cool. Bon, ben pour commencer avec ça, on voulait parler aujourd'hui aussi un peu des bandes de TW. Ouais. De guerre de territoire, c'est ça en français, Oui, des guerres de territoire. C'est pas facile, je trouve. Je vais mettre ici à l'écran le post. Ouais. Ah non, c'est pas celle-là, c'est lui ici. Le post de CG qui dit au final, j'ai juste clippé les personnes qui ne pourront pas être utilisées. Donc ici, je pense que ça va nous détruire quelques équipes. Là. Il va falloir penser à une bonne stratégie pour ça, là, mais ça va nous détruire quelques équipes. Comme nos fameuses Night Sisters qu'on adore, je pense que ça va être un peu difficile sans Zombie et sans Ventress. On va voir ce que ça donne, mais il va falloir faire quelque chose avec ça. Hein? Exactement. Moi, ce que je trouve vraiment dommage pour ça, tu sais, je comprends que les gens n'aiment pas ça, jouer contre Reven, mais ceux qui ont payé 300$ comme nous pour avoir Reven, je trouve ça un peu plate de ne pas pouvoir l'utiliser dans la seule place, tu sais, à part l'Arena, que vraiment, il y a un potentiel fou. Là. Mais bon. Je pense aussi, ceux qui ont Dark Triad, je sais, dans l'Alliance Royale Québec, il y en a plusieurs qui viennent de l'avoir, chez Empire de la Force Québec aussi, il y en a plusieurs qui viennent de l'avoir, veulent l'essayer. Moi, j'ai ma Triad Gear 12 que j'avais pas au dernier Territory War. C'est plate de se ramasser. Ben, c'est ça, c'est plate de se ramasser là, puis même pas pouvoir l'utiliser. Mais écoutez, on va faire avec, c'est tout. Ouais. Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de teams qui peuvent quand même, je trouve, être utilisables. Tu sais, comme les Night Sisters, oui, perdent à sage zombie, mais si ceux qui ont le Talzin chef qui est Zeta, je trouve que ça peut faire une très bonne équipe d'attaque aussi. Là, tu y mets avec ça, Acolyte, Daka, Talia pour ceux qui l'ont monté pour le set raid déjà, puis tu peux mettre n'importe quel tank avec ça, puis t'as possiblement une très bonne team en attaque.
Ouais. Et ceux comme moi qui avaient juste Ventress Lead puis pas Tarzin, ben c'est un peu une équipe à la poubelle, là, mais on va faire avec. Ouais, c'est ça pour Ouais. c'est juste au mois de janvier, ça, me semble, non? Ou Ça se peut bien. une Je durée sais qu'il y a un plus. Territory War demain, là, fait qu'on va voir ce que Ouais. ça va donner, là. Il va Ouais. falloir penser à quelques tactiques. Ouais, aussi, Mais même ouais, les ben. troopers sont détruits, là. Exactement. Les troopers perdent Death Trooper, Short Trooper, puis Colonel Stark. C'est vraiment un. C'est beaucoup. Ils ont. Effectivement. Vraiment. La Ah non. seule manière que tu pourrais les utiliser encore, ce serait contre une team vraiment pas forte en attaque, là, avec Ouais. Snowtrooper peut-être, mais même à ça. Non. Même chose pour Non. les Bounty Hunters sont vraiment imputés, là, amputés là-dedans, là, avec le IG-88. Dengar. Dengar, Jango Fett, c'est sûr que pas beaucoup de monde ont Jango Fett, là, mais. Ouais. Mais Non. l'avantage aussi d'avoir enlevé Han Solo, c'est qu'avec la synergie présentement avec Zee Finn, ça aurait pu faire des dommages vraiment dans ce Territory War-là. Mais au moins, ils ont enlevé Han Solo, fait qu'on n'aura pas des équipes défensives ultra fortes comparativement au reste avec Zee Finn et Han Solo ensemble. Mais reste Ouais, que Han Solo, c'est c'est quand vrai. même un membre important de l'équipe de Commander Luke, là. Mais ça va Ouais. être intéressant de voir ce que les équipes vont sortir, là. Ouais, Ouais. vraiment. Puis, ben, il va falloir s'adapter aussi. C'est pour ça qu'ils le mettent pour un peu plus longtemps, voir qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas bien. Même First Order, c'était pas mal un classique pour toutes les guildes de mettre ça en défense. Puis là, tu perds ton Officer puis ton Stormtrooper. Oui. Ouais, ça en Je fait sais pas beaucoup en pour même vous, temps. Mais mais en défense. avec ça, je perds environ 10 états, là, c'est pas plus, là. Fait Ouais, que pas on mal va voir de. ce que ça donne. Il y a pas mal de Zeta aux poubelles avec ça, c'est clair. Mais pour le monde se demande aussi souvent pour la défense, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Mais il y a des teams comme la team Bastila avec Yoda, Hermit Yoda, Vieux Ben, Ezra, ça va rester là. Ah, je vous Ça dis, va être là, un bon team les de teams défense, qui ça. ira, là, ça va faire gagner. Les teams Kira Ouais, aussi, là, pour ceux qui l'ont. ceux qui sont Ouais. prêts avec cette team-là. Oui, il n'y a plus une Fitness dedans, mais il y a d'autres solutions. Totalement. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont investi dans le Zeta Mall. Darth Maul Zeta, je pense que Pour être ça quelque pourrait chose être de bien. payant, ça aussi, dans un 2, 3e territoire, peut-être, un petit territoire surprise, là. Ouais. Ça Oh, je pourrait pense avoir bien que du bon sens. ça va nous permettre de découvrir des nouvelles combinaisons, peut-être qui marchent bien en défense, surtout avec des équipes importantes comme Dark Traya et Revan qui sont plus là. Ça va permettre à d'autres équipes, si vous voulez, de shiner en défense. Fait que ça va être super intéressant de voir ça quand même, là. Exact, quelqu'un, mettons, comme Lucifer, qui a des. Ses Des Ewoks super oursons. de vraiment bien monter, on s'entend qu'il n'y aurait plus grand-chose à son épreuve dans cette. Surtout en attaque, là. Ça va pouvoir passer sur pas mal d'équipes, là. C'est ça qui est cool aussi de cette formule-là, c'est que ça va permettre de pouvoir aller creuser dans les rosters du monde beaucoup, puis de trouver des nouvelles teams, possiblement même, là. En tout cas, Ouais. c'est ça qui est vraiment T'sais, cool, ça. les Jedi, c'est sûr que Bastila, ça reste quand même. Je veux dire, sans Jolie, c'est pas top, mais ça reste quand même une team viable. Là. Tu mets Bastila, Grandmaster Yoda, Oda, puis Hermite Yoda, puis une coupe Tu peux mettre d'autres, Vieux Ben mettons. Ezra avec ça, là, grosse team. Ouais, ça fait quand même, c'est ça. Ça fait quand même la job, mais c'est sûr que c'est pas Revan. Là. Mais bon, Non. ceux qui ont Bastila vont être contents quand même, comme moi. J'ai pas Revan encore, mais j'ai Bastila qui est assez fort, fait que ça va. C'est quand même une bonne chose. Là. Elle va être beaucoup plus dure à passer. Parce qu'il n'y a pas de Treya, pas de Han Solo, pas de Revan. Bastila devient une masse assez puissante quand même. Là. Je pense qu'on va avoir des nouvelles forces au prochain Territory War. On Ouais. risque de sacrer un petit peu, là, mais quand même, je pense que ça va être quand On même va un s'en Territory sortir. War intéressant, puis il va falloir sortir nos stratégies pour essayer de battre l'autre. Ça va vraiment être, je pense, une guerre de territoire Oh, il stratégique. y a des lapins qui vont sortir Je des pense que ça va être chapeaux intéressant. dans ce TW-là, c'est sûr à 100%. Autant comme Oui. les teams puis que les Ouais. players. Hein, il y a beaucoup de joueurs justement qui vont être contents. Hein, puis comme c'est là ma chance de shiner, là, qui ont des personnages qui sont pas tous légendaires. Ou t'sais, il y a du monde qui ont investi au départ sur des teams qui étaient juste moins bonnes, mais que dans des situations comme Ouais. ça, pourraient se retrouver comme des très bonnes équipes pour Exact. ces TW-là. Parfait, ça. Yes! Bon. Pour enchaîner aussi, je voulais parler vite vite du Faucon Millennium qui va arriver avec Han Solo. Ça, c'est le Sûr. post de CG qui parle justement comme vite vite là, que le Faucon Millennium va arriver.
Mais il y a des trucs qui sont cool là-dedans. La manière qu'ils ont exprimé ça, comme la phrase ouais. « We will provide a capital ship for you to use during the event », ça veut dire qu'ils vont nous prêter... C'est mystérieux. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Ils vont nous prêter un capital ship. On sait pas c'est quoi. C'est sûr que, d'après moi, ça sera pas un capital ship que nous, on a déjà. Peut-être un à venir. Exactement. Mais là, j'ai fouillé un peu sur l'Internet, puis les Bounty Hunters, ils ont comme pas vraiment un capital ship. Ils ont pas vraiment... Ben non. Si tu voudrais trouver quelque chose qui soit un peu similaire, il faut que tu ailles dans le lore. Il faut vraiment que tu ailles loin. Fait que c'est quasiment sûr, tant qu'à moi, que ce ne sera pas un capital ship Bounty Hunter. Mais là, ça pourrait être un capital ship de quoi là? C'est sûr que place à plein de spéculations. Même moi, j'ai pas commencé à penser à ça pour le moment parce que c'est trop deep. Mais d'après moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter ici le Punishing One, qui est le ship de Dengar. Ça... pourrait dire que Khafgar vous l'a dit en premier. Ben, moi, je pense que ça ferait du sens aussi, parce que il manquerait un ship. C'est Dengar, il est là depuis toujours. Il a déjà eu son rework. T'sais, c'est la seule chose qui manquerait pour faire le team au complet. Ouais. Sinon, à part de ça, parce que sinon, quand tu regardes la liste des Bounty Hunters qu'on a en ce moment, il n'y en a pas un autre qui a vraiment un vaisseau qui irait dans le jeu ou qui ferait du sens. Puis là, avec le Faucon ouais. qui s'en vient. D'après moi, ils vont juste continuer cette année en 2019 au départ à nous pitcher plein de vaisseaux puis à sortir plein de vaisseaux. Comme R2 dit, le ship de Grievous aussi. Il y a ça pourrait être pas pire, ça. Qui pourrait s'en venir, qui ferait en sorte que les vaisseaux seraient peut-être vraiment mieux. Puis qui rigueurait. Moi, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de rework à faire dans les vaisseaux. Je n'ai parlé une couple de fois déjà de la, je pense, à notre épisode 1, comme à quel point j'aimais pas les vaisseaux. En grosse partie, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de synergie. Puis là, enfin, les Bounty Hunters, c'est comme la première faction qui a une synergie. Fait qu'il y aurait à utiliser ça dans des situations. Ça serait intéressant, tu sais, qu'il y ait un peu plus de synergie, tu sais, comme Faille. Je sais pas c'est quoi en anglais. Moi, je joue en français, là, mais le Faille, c'est intéressant, ça, que chaque vaisseau bénéficie du fait que Faille a été appliqué sur l'équipe adverse avec les Bounty Hunters, ce qu'on n'a pas vraiment avec les autres factions. Ça serait intéressant qu'ils fassent des petits, pas des gros rework, parce que, tu sais, exemple, les ships, là, quand t'es, exemple, tes Phoenix sont montés, là, les ships Phoenix ensemble sont top, là, sont vraiment cool, mais tu sais, mettre un peu plus de synergie avec les autres rebelles pour qu'ils soient exacts, tu sais, qu'ils soient plus efficaces encore avec les autres rebelles, les vieux rebelles, et, ça, c'est un exemple, tu sais, ça serait le fun que, c'est ça, qui travaille un peu ça là pour que éventuellement nous pondre un raid avec des vaisseaux. L'étoile de la mort. J'ai accroché le piton avec mon clip de Night Sister. Désolé tout le monde. J'ai remis le clip sans le vouloir, mais bon. C'est ça qui arrive. Je pense qu'on a bien hâte d'en parler. Ah ouais, on brûle d'envie de vous montrer ça, ces clips-là de Night Sister, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais pour revenir à ce que Superbe disait aussi, c'est, je pense, en général, pourquoi est-ce que les gens accrochent moins dans les vaisseaux, c'est justement par ce manque de synergie-là. Puis justement, s'ils sont capables de nous apporter des vaisseaux qui ont une belle synergie, qui attaquent bien ensemble, je pense que ça va rajouter un intérêt aux pauvres vaisseaux qui sont délaissés, on va se dire, par la grande majorité des joueurs. Il y en a quelques-uns qui focusent dessus, puis ils réussissent bien, sauf que la grande majorité des joueurs, moi, en partie, là, comparé à mes personnages et comparé à mes vaisseaux, je trouve qu'ils sont quand même un peu délaissés puis ils mériteraient qu'on donne un petit peu plus d'amour. Ouais, parce que pour l'instant, tout ce qu'ils ont eu, c'est hey, on vous donne plus de cristaux en arène, puis on vous met plein de Faucon Millennium, yes sir. Et c'est que ça vaut pas la peine d'investir comparativement aux personnages présentement, mais comme on pense tous. Il va finir par avoir un raid de vaisseau. Ça se peut pas qu'il laisse ça juste comme ça. Exactement. Là. Je me demande, moi, cette statistique-là, c'est quoi, mettons, par rapport au nombre de personnes qui achètent, qui payent pour avoir des personnages 7 étoiles comparativement aux personnes qui payent pour avoir des vaisseaux 7 étoiles? Et toi, Khafgar, que Revan, tu paierais-tu pour avoir le nouveau vaisseau 7 étoiles? Jamais de la vie. La même chose pour moi, je dis Revan, puis je vais l'avoir 5 ouais. étoiles, je vais être très heureuse, mais je n'irai pas chercher plus que ça. Ben, tu sais, ça remonte à loin, là, cette explication-là, tu sais, comme quand j'étais jeune, puis j'ai commencé à triper sur Star Wars, moi, je tripais sur les Jedi puis les sabres laser, je tripais pas sur les X-Wing.
Puis, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, c'était cool les X-Wing, mais ce qu'on aimait des films de Star Wars, c'était pas ce qui se passait dans les combats de vaisseaux, là. C'était les combats de sabre laser, puis le pouvoir, la force, tout ça, c'est ça qui était cool, là. Ouais. Cette mentalité-là, moi, ça a juste continué avec moi dans le jeu. Quand les vaisseaux sont sortis, je suis ah, cool, ils sont beaux, les vaisseaux, ils sont cool, c'est ça. Et ça apporte pas le même fun t'sais, que jouer avec nos personnages. Mais un raid, comme vous dites, avec deux phases de vaisseaux, mettons la phase numéro 2 et la phase 4 du raid, c'est des phases de vaisseaux. Aïe, aïe, je vais triper vaisseau au bout, c'est sûr. Là. Ouais. Ah, ça serait génial d'avoir un raid que tu jumelles les vaisseaux avec les personnages, deux phases vaisseaux. Ça obligerait vraiment les guildes à avoir des gens qui sont spécialistes dans les vaisseaux, spécialistes dans les personnages, tandis qu'en ce moment, je trouve que les joueurs qui sont spécialistes dans les vaisseaux sont vraiment désavantagés comparés aux autres. Puis c'est pas qu'ils sont mauvais, ils gagnent beaucoup de cristaux par jour en arène, sauf que je trouve personnellement qu'ils sont complètement délaissés. Puis si un raid, ils étaient capables de changer ça, ça serait génial. Oui, exact. Puis ça demande beaucoup d'efforts quand même. Tu le vois, là, ceux qui font... Tu sais, moi, c'est un peu pour ça que je travaille pas mes vaisseaux, parce que, tu sais, moi, vu que je suis focus sur les raids, ben là, moins un peu, vu que j'ai comme tous les persos 7 étoiles de raid, mais je veux dire, tu sacrifies des choses. Moi, c'est pour ça qu'on dirait que je passe tout le temps à d'autres choses, parce qu'il y a tout le temps de quoi de plus important dans les personnages. Pour moi, à farmer, vu que je focus beaucoup ces persos, tu sais, c'est poche un peu que c'est un monde-là qui font l'effort de se focusser sur les vaisseaux beaucoup, soit désavantagés pour l'instant. Tu sais, ça serait cool pour eux autres qu'ils soient, comme tu dis, tu sais, qu'à un moment donné, qu'il y ait un avantage à faire ça, tu sais, ça serait le fun. C'est comme Jester il dit, ben grâce aux cristaux que je ramasse pour mes vaisseaux, ceux qui sont ne dépensent pas un sou pour ce jeu-là, il peut monter plus rapidement ses personnages grâce à ses vaisseaux, mais nous, ce qu'on aimerait voir, c'est ces personnes-là à l'œuvre dans la guilde. Ça, on aimerait ça que vous puissiez rayonner plus que vous le faites présentement. Puis je trouve que c'est ça qui manque présentement au jeu. Puis ça va peut-être venir, là, mais... C'est sûr que ça va venir. Juste pour revenir, tantôt, j'ai vu un peu oublié dans le chat, je trouvais ça intéressant, juste pour revenir au Bounty Hunter là, de quelques secondes, il y a quelqu'un, qui, je ne me rappelle plus c'est qui a parlé de Django, c'est sûr que ça ferait du sens aussi d'avoir le ship de Django éventuellement. Évidemment, ouais, j'avoue que j'avais pas pensé à celle-là. Mais on n'a pas parlé, mais ça serait une logique, ça serait très logique qu'on aille ça. Mais bref, ça serait le fun que les vaisseaux soient mieux exploités, ça me donnerait le goût d'y travailler plus. Ouais, oui, absolument. Ça, c'est faudrait cool. Vraiment que tu aies quelque chose pour te convaincre, par exemple. c'est le même pour beaucoup de gens aussi là, qui aimeraient ça pousser pour les vaisseaux, mec. Ça ne sert juste à rien. Ouais, à part avoir des gars, ben, ça ne sert pas à rien. Ça, comme tu dis, ça sert à gagner des cristaux. Mais tu sais, quand tu es focusé personnage, tu es plus haut dans la reine de personnage, fait que tes cristaux, tu vas les chercher là. Oui, il y en a qui sont aussi bons en PVP arène que PVP vaisseau, mais je veux dire... C'est quand même pas la majorité. Je vois, tu sais, moi, dans les guildes, en général, je me suis promené, puis c'est souvent un ou l'autre. Il y en a quelques-uns qui sont aussi bons en vaisseau qu'en arène, mais en général, on décide de focusser un sur l'autre. Je veux dire, si tu focuses sur ta team d'arène, tu en gagnes beaucoup de cristaux aussi, dans le fond. Là. Puis, ça permet d'augmenter tes personnages quand même assez vite. Ça serait le fun. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, si j'étais un nouveau joueur avec un petit GP encore, je lui conseillerais vraiment de focusser sur ses vaisseaux parce que c'est beaucoup plus facile monter en arène avec des vaisseaux puis accumuler les cristaux que monter avec les personnages en arène. Les personnages en arène, il y a une très grande compétition. Regardez juste les shards qui sont assez récents, ils sont remplis de Revan. Tandis que dans les vaisseaux, la méta est détenue par très peu de joueurs. Fait qu'hésitez pas, si vous commencez à investir dans les personnages de vaisseaux, puis ça va vous faire monter, puis vous allez gagner plus de cristaux. Puis comme Jester dit, avec ça, vous allez pouvoir monter vos personnages plus rapidement. C'est sûr que... Oh, puis il y a des très bons personnages. Il y a des très bons personnages de vaisseaux. Je veux dire, il y en a des moins intéressants, là, comme les Géonosiers, c'est des super bons. Vaisseau, mais on s'entend que les persos sont très, très ordinaires, mais il y en a plein. Tu sais, Bosque, c'est une brute là, comme personnage, puis son ship, il est aussi bon que lui-même. Je veux dire, c'est un solide ship. Puis les Bounty Hunters, en fait, en général, c'est déjà, tu focuses là-dessus, d'un vaisseau,
tu te focuses là-dessus d'un perso, tu as une solide team, le fun, all around, OK, qui n'est pas top en arène. Pour tout le reste, c'est super. Puis, tu sais, la même affaire, c'est des super, c'est des excellents chips, là. Fait que, tu sais, ça, un exemple, c'est super bon à travailler, là. C'est sûr que, tu sais, il y en a de c'est du Plo Koon, mettons, là. C'est sûr que c'est... Je te conseille pas de monter ça G12 puis de focusser là-dessus en premier, là. Mais non, mais moi, tout, c'est un conseil que je donnerais aux débutants d'aller plus vers l'arène des vaisseaux parce que c'est... Le monde sont moins intéressés par ça. En partant, tout le monde va se pitcher sur l'arène des escouades, puis il va juste essayer de faire. Le monde va faire un fight, un combat en auto avec leur vaisseau, puis vont arrêter ça pour la journée. Ouais. Surtout, vous accumulez beaucoup de états avec ça aussi. Là. Les états, c'est le nerf de la guerre, fait que ça va vous aider à progresser davantage. Je tiens à dire que c'est quelqu'un sur le chat qui m'a donné cette idée-là, mais c'est vrai que les états, là, vous les accumulez grâce à vos vaisseaux en grande majorité. Ouais. Fait que n'hésitez pas à vous améliorer dans cette phase-là. Absolument. Ouais. C'est un conseil que je te donne, superbe. Je suis à 3 chances de pouvoir l'avoir à 5 étoiles. Ah, moi, je suis à 5 pour IG2000. Xanadu Blood est officiellement 5 étoiles aujourd'hui. Bon, fait que je devrais être bonne. Moi, je vous en parle pas de mes vaisseaux. C'est non. C'est un... Non, mais t'as d'autres qualités, comme les Night Sisters. Bosk, 4 étoiles. Bosk est 4. Slave One est 4 étoiles. T'es pas rendu là. Non, oublie ça. Là, mais ça m'intéresse pas. Depuis que tu t'es donné vraiment trop intense dans ta période, où t'as monté ta holdo vraiment vite, là, après ça, t'as pris ça vraiment plus relax. Mais c'est correct aussi, à un moment donné, tu peux pas te plaindre. Je dépensais beaucoup trop d'argent, j'en dépense pratiquement. Yes. Si on est en train de vous dire là, comment être les meilleurs free-to-play qui peut, fait que prenez des notes. Non, c'est ça, exactement. Là, nous autres, on a tout le temps une perspective qui veut pas vous faire dépenser de l'argent, on s'entend, c'est... Tout à fait. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Là, on a beaucoup de membres, puis beaucoup de gens aussi qui jouent à ça, qui sont plus âgés, puis qui ont des enfants, puis qui ont plein de trucs à payer, puis ils n'ont pas l'argent à mettre là-dedans. Là, fait que c'est vraiment d'être le plus efficient possible. Puis on se rappelle, c'est un jeu, hein. Fait que amusez-vous, puis si vous êtes capable de ne pas dépenser parce que vous ne voulez pas dépenser, ben ayez du plaisir en montant les personnages, puis en finissant haut en arène, puis le meilleur moyen, c'est avec les vaisseaux. Rock on! Ouais, on passe dessus. On y va dessus avec ça, prochaine étape. Les Night Sisters? Oui. On y va avec la phase, phase 3, super? Oui, absolument. Allons-y. Hey. Plus que les vaisseaux. Bon, on voit ici dans la vidéo, ça a été rapide, mais il y avait le mode avion, très important. Ceux qui viennent de remarquer, qu'on va commencer, après, quand le clip va être de petites affaires, là, j'ai enlevé les debuffs des sabres en partant pour être certain que de ne pas en faire enlever le taunt de mon zombie pour que ce soit lui qui pogne, qui accepte le premier isolation. Ensuite, j'attaque beaucoup Treya. Est-ce que tu recommencerais ta run si la zombie ne pognerait pas le premier isolation? Oui, tu es obligé parce que c'est terminé. Cool. As-tu d'autres critères pour recommencer ta run? Si vous pouvez voir, moi, c'est la façon préférée de placer mes Night Sisters, comme vous voyez là, d'avoir Daka au bout, dans le fond, c'est pas vrai, Assage au bout, à l'extrême droite. Après ça, Daka, Talzin, Zombie. Dans le fond, je veux que le plus important, c'est que je veux que ça soit l'initié, puis Talzin qui soit entre le zombie, parce que c'est le zombie le zombie a le temps, c'est lui qui mange le plus de dommages. Puis Treya fait comme du dommage au personnage plus à côté. Ceux qui auront des questions plus tard, après, je pourrais peut-être vous expliquer l'ordre dans lequel les mettre. Mais en gros, là, vous voyez, là, ça, c'est bon parce que les sabres ont rétribution. Il y avait rétribution, ça permettait de les attaquer quand le zombie a pu le temps. Comme là, le zombie a pu le temps, c'est là que j'espère que. Parce que dans le fond, le but ultime, c'est là, vous voyez, j'ai eu deux morts, c'était plus important. Là, il n'y a plus personne qui revit. Là, c'est important de ne plus attaquer les sabres. Là, on fait l'attaque spéciale de Assage en faisant le topple.
parce que ça, ça ne fait pas revivre. La seule affaire qui fait revivre des personnages, c'est l'attaque de base. Ça, c'est bien important. Puis on veut pas que les personnages revivent entre les topples parce que ça va briser la run. Parce que le principe, c'est qu'à toutes les fois que les personnages revivent, là, vous le voyez, on est dans le topple, à toutes les fois que les personnages revivent, ça fait monter la vie de l'attaque de Asajj puis la vie de Daka. Parce que moi, j'ai le Zeta de Daka. Est-ce qu'il est essentiel, d'après toi, le Zeta de Daka pour ce run-là? Pour faire 10 millions comme la run que je vous allez voir là, oui. Parce que vous allez voir à la fin, ça va faire... Je fais encore quelques topples après l'Enrage, puis c'est la clé pour faire un 10 millions. Comme là, un autre topple vient d'arriver. Tout va bien. Mon zombie n'est pas... pas deux debuffs, fait qu'il va être capable de repogner de ravoir le temps avant la fin du topple. Moi, j'ai un zombie G11. Vous allez voir, les stats sont apparues au début dans le code. Mon zombie G11, il y en a qui ont, exemple, on a un joueur Lucifer qui a une zombie G12. Paul aussi, Paul Kwan aussi a un zombie G12, je crois, puis ça a des avantages, mais des désavantages aussi. Ça fait qu'au début, c'est plus dur de faire mourir les personnages comme rapidement. Sauf que quand c'est commencé, quand tu as ces trois personnages-là qui sont commencés, c'est plus difficile de la faire mourir. Donc, harpogne le taunt. Donc, c'est elle qui va toujours avoir l'isolation. Parce que s'il y a un autre personnage que le zombie qui pogne l'isolation, la run n'est pas terminée, mais presque. Particulièrement quand il reste plus que 6, mettons qu'il reste même 4, 3 ou 4 coups à faire. On voit le chiffre qui est en haut, là c'est 7. C'est-à-dire qu'il reste 7 tours à faire encore. Là. J'ai beaucoup de topples de fait déjà. C'est quand même assez incroyable comme run déjà là en partant. Oui, vous voyez, déjà, à ça, j'ai dépassé le 100 000 à toutes les fois. Là, il est rendu à 118 000 à toutes les fois qu'elle attaque. C'est satisfaisant d'en voir ça. C'est fou, hein? Voir un beau 120 000, là, je dois avouer incroyable. Que c'est assez incroyable. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on se base. On se base sur le fait que, dans le fond, les Night Sisters sont faites pour mourir. Plus ils meurent, plus ils sont fortes. C'est le cas pour Daka quand elle a son Zeta. C'est le cas pour Asajj quand elle a son... Ben, même quand sans son Zeta, ça marche pareil. C'est juste que ça semble deux fois moins vite. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Puis la clé là, de cette run-là, c'est vraiment la vitesse de Asajj, la vitesse de Daka, particulièrement. Daka est à 244 de vitesse, puis Asajj est à 236 ou 234, je crois. Ce qui est quand même assez rapide, parce que rappelez-vous qu'Asajj a une vitesse de base assez pitoyable. C'est la toi, clé. Moi, j'imagine la P3 comparativement à la P4. Les Night Sisters en P3, si je comprends bien, doivent être modés avec le plus de vitesse possible. C'est vraiment le Asajj puis Daka. Talzin n'a aucunement besoin de vitesse. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle ait beaucoup d'attaques. La mienne a 7 cas d'offense. Initié est modé en offense aussi avec du crit chance un peu, mais tu sais, Initié, moi, est là pour ses... Parce qu'Initié fait des debuffs. Mais à toutes les fois que ses debuffs sont résistés, ça fait gagner du turn meter. Puis c'est pour ça que l'Initié est vraiment importante, parce qu'elle fait gagner deux... À chaque fois qu'elle fait deux debuffs qui sont résistés, puis Treya les résiste pratiquement systématiquement, ça fait augmenter le turn meter. C'est pour ça qu'Initié est importante. C'est juste à ça qu'elle sert, dans le fond. OK. Puis la même affaire, Talzin sert à faire du dommage. Vous allez voir, dans cette run-là, Talzin fait 1,6 millions. Asajj va faire 7 et quelques millions à elle toute seule. Les autres, c'est plus... Daka en fait un peu aussi. Initié, pas les tant accessoires. Que ça. Ouais, c'est ça. Les autres servent juste Ils servent à renforcer Asajj, carrément. Comme là, ça devient plus tricky parce que là, regarde, vous voyez, là, c'est Zombie qui vient d'avoir, je suis chanceux, parce que mon Zombie n'avait pas le. Puis il vient, c'est lui qui a eu quand même le Isolate. Fait que je suis correct. Regarde, là, je viens de faire un autre. Je viens de faire un autre topple, même après l'Enrage. Puis là, c'est son payant parce que, regardez, elle était rendue à 176 000 à Sage. Fait que sur ça, son basic, c'est incroyable. C'est une run. Parfaite, là, des 168, 165, 170 sans arrêt. Là, je fais, vous voyez, ça baisse de 1% ou presque à toutes les fois que Asajj fait un coup.
J'ai pas remarqué au début, étais-tu passé à 100% de la phase, toi? 98. Quand même. C'est incroyable. Ouais. Oui. Je suis rendu à 75. Comme là, je pense que la run va être terminée. Il me semble. Ça se finit un jour. Et voilà, un autre topo. Vous voyez, là. Fait que là, je vais faire un autre topo complet. Le problème, là, c'est. Puis ça m'était pas arrivé durant la. Daka est pas daze, mais est confuse. Mm-hmm. Fait que ça fait que vous voyez, le topple va durer beaucoup moins longtemps parce qu'elle perd des taux. Mm-hmm. Là, je suis vraiment vers la fin de ma run. On va voir le beau petit meme pour ton super score. Ouais, là, voilà, c'est terminé. D'accord. En moyenne, ça te prend combien de temps, ces runs-là? C'est une run de. Il n'y a, aucun montage. Donc, ça a pris quoi? 7, 8, 9 minutes? Ouais. C'est pas mal. Mal ça. Moins long que l'autre, hein? Ah, c'est ça. C'est beaucoup moins long. La fin. So good. So good. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était une run de 10 millions. Vous voyez, 7 millions pour Asajj, 1,6 millions pour Talzin. Les autres, c'est accessoire. On pourrait un peu. Je te demande la question, là, super. Vas-y. Vu que toi, tu es les deux leaders des Night Sisters. Oui. Lequel tu prendrais et pourquoi? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas compris ta question complète. Lequel j'ai des deux leaders entre Talzin et Ventress tu prendrais? Puis oui. L'autre, j'imagine, tu le laisses faire et pourquoi tu prendrais un des deux? En phase 3? En général, lequel tu recommanderais aux gens? C'est une très bonne question. En général, je vous dirais que overall, le Zeta lead de Talzin est plus utile. Il est plus utile en Territory War. Il est plus utile même en Territory Battle, en bataille de territoire, en guerre de territoire, il est plus utile. Pour avoir essayé les deux, moi j'ai les deux à stage, puis ouais, Talzin sont très fortes les deux. Puis j'ai commencé en faisant la phase 4. La phase 4 est plus est moins RNG dépendante, sauf qu'elle est beaucoup plus difficile dans le sens qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Vous allez voir la run de Sublunch tantôt. C'est bon, quand même 40 difficile. Minutes pour faire 10 millions à la place de 8. Exact, c'est ça, c'est long. Donc, c'est sûr que moi, mais je recommande quand même Talzin en premier avec mais quand même d'utiliser Le unique de Asajj est très, très important et essentiel parce qu'il va elle va bénéficier parce qu'en PVE, à part en raid, en phase 4, Asajj n'a pas le caille assez de morts pour devenir aussi puissante que ça. Donc, puis le fait que l'équipe gagne du turn meter, ça, vous voyez, exemple, je pense qu'il y a un événement, c'est contre la résistance qu'on peut prendre les Night Sisters, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est deux fois plus facile avec Talzin parce que Talzin, ils ont tellement un input de dommages incroyable que comparativement à Ventress, que c'est plus rapide. OK, je fais pas baisser le turn meter, mais de toute façon, les Night Sisters, ils revivent. Fait que à moins d'avoir des Death Troopers qui t'empêchent de revivre, let's go, tu t'en fous, même qu'ils deviennent plus puissantes quand ils revivent avec Talzin, quand tu as son lead. Fait que let's go. Moi, je conseille vraiment le lead de Talzin en premier parce que overall, il est plus efficace. Ben, est-ce que j'aurais hâte d'avoir les deux leads? Pas du tout. Le lead de Asajj est quand même fantastique. C'est pour, à mon avis, Talzin est un meilleur personnage overall, mais Asajj est quand même un solide, solide personnage. Donc, c'est pas des états gaspillés. Au début, par contre, c'est sûr que nos états, on les compte plus. Là, quand tu es rendu à 30, 25, 30, 40, 50 états, là, tu peux te permettre de mettre les deux. Mais je commencerai quand même avec Talzin. Mais moi, je me suis toujours dit, dans le fond, Asajj, je la garde pour le PvP, PvE, puis PvP comme l'arena, j'utilise toujours Talzin, même pour les TW. En attaque, le quand problème... tu joues en attaque, je trouve tellement que Talzin t'offre plus parce que tu peux contrôler les revives et tout. Fait. Ouais, le problème que j'ai avec ça, c'est que moi, vous le savez, là, j'ai jamais voulu mettre un Zeta à Talzin lead parce que j'avais déjà 23. Puis, je dois avouer, le Zeta de Talzin,
sont les deux et super bons. Sauf que pour quelqu'un qui se demande, qui n'a pas beaucoup d'état, lequel je mets, je comprends votre point de vue d'y aller avec Toss in Lead au lieu de Ventress. J'ai longtemps défendu Ventress Lead à la place de Tazin, sauf que avec le temps, avec les nerfs qu'ils ont fait, je me rends compte que le lead de Tazin est peut-être supérieur, mais somme toute, le lead de Ventress, on est quand même capable de faire des excellentes combinaisons en Territory War, comme on essaye beaucoup dans notre guild de jumeler Ventress avec Enfisness. Mais je dois avouer que pour quelqu'un qui commence, le lead de Tazin est peut-être supérieur à celui de Ventress. Fait que moi aussi, si j'avais le choix entre quelqu'un qui commence, qui hésite entre les deux, j'irais peut-être avec Tazin juste parce que overall, en PvP, il est meilleur. Aussi pour les raids, on va l'avouer, la phase 3, c'est probablement la phase la plus difficile. Fait que si vous êtes capable de maîtriser aussi facilement cette phase-là que Superbe le fait, je pense que ça va aider énormément votre guild. Vous allez quand même avoir besoin pour le sit raid de Ventress Lead. Puis vous allez voir, c'est super facile à faire, mais une ou deux personnes qui maîtrisent bien peuvent faire Nihilus à eux tout seuls. Puis, dans le fond, là, je conseillerais, parce qu'on était quand même vite, particulièrement au début, on voyait les statistiques de mes Night Sisters. Comme d'habitude, ceux qui ne sont pas habitués, vous allez le voir, on met le Kavgar met le vidéo sur YouTube pas longtemps après la fin de notre stream. Oui. Donc, vous allez pouvoir les voir, peser sur pause, voir les statistiques. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je n'ai parlé un peu quand même. Sachez, par contre, que ça peut être... C'est la run qui peut être la plus satisfaisante comme la plus fâchante de la Terre. La ceux, qui l'utilisent, vous allez comprendre. On a plusieurs utilisateurs de Night Sister en phase 3. On a Lucifer, on a Paul Kwan dans notre guild, dans notre alliance. Ninjarem aussi, qui fait super bien. Exact, c'est ça. Mais écoutez, la run que vous voyez là, ce que vous avez... J'ai vu 10 millions, c'était c'est pas une blague, c'était le premier. De toute façon, vous le savez, là, à la vitesse que ça va dans notre guild, la phase 3, je peux pas recommencer 50 fois. C'est mon premier essai, c'était merveilleux, c'est trippant, c'est cool à voir aller, même si ça fait, tu sais, regarde, j'ai Treya 7 étoiles, j'ai 12, fait que j'en ai fait des raids, là, j'ai scoré des scores avec elle, mais je trouve ça encore aussi trippant de voir cette équipe-là aller, vous l'avez vu, c'est malade mental, c'est comme wow, c'est... pas tricheur du tout, tu sais, c'est d'utiliser les... C'est une équipe surprenante. Oui, exact, sauf que ça peut être fâchant parce que sérieusement, tu sais, quand on est allé aider parce que nous autres, nos guilds, on est allé une gang pour ceux qui sont de notre alliance, nous autres, comment qu'on fonctionne, c'est que des bons joueurs qui font les raids sont allés aider les autres guilds, fait que j'avais comme 3, 4, 5, 6 heures des fois, 7 heures pour essayer cette run-là. Ça m'est arrivé d'essayer 3 heures de temps, puis qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui sort, le RNG n'est pas bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que en phase 4, le RNG est beaucoup moins tough. Le RNG en phase 3 avec les Night Sisters, mais le RNG de la phase 3, c'est le pire. Ouais. Depuis qu'ils ont nerfé la phase 1 du Sith Red, la phase 3 de ce raid-là, c'est la plus RNG dépendante. La même affaire avec le Chex Mix qu'on a vu dans d'autres et dans l'épisode 1. On est capable d'aller chercher je prends ma part, je suis capable d'aller chercher 2,7-2,8 millions avec Chewie. Puis la run d'après, je vais faire 1,6, je vais avoir de la misère, 1,7, je vais avoir de la misère à le dépasser. C'est constamment ça. La seule équipe qui, pour l'instant, vu qu'elle n'a pas été nerfée, qui n'est pas RNG dépendante du tout, c'est C3PO avec Zedfin. Vraiment c'est la seule. C'est ça, regarde, dans le chat, on le voit, là, Paul Kwan, il dit, c'est incroyable comment que ça peut être frustrant des fois. Puis, fait que, moi, des fois, j'abandonne carrément. OK, j'ai fait un 4 millions, ça va être ça. Je vous dirais qu'en bas de 4 millions, c'est rare. Je vous dirais que ça se tient souvent de 6,1 millions. 10 millions, c'est une excellente chose. Surtout, sans le mode avion, la différence entre 300 000 et 10 millions peut être assez mince. Hein? Si ben, tu comme manques ta run, c'est fini. Oui, parce que allez le voir, tu as raison, parce que vous allez le voir au début de ma run, là, juste avant que les trois meurent, tous mes personnages sont bas, il aurait s'agi que le mauvais personnage soit attaqué, puis que je ne sois pas attentif, puis que ça déborde, ça part, puis que flac, que je wipe. Ça m'est arrivé, c'est la seule équipe avec qui je wipe encore régulièrement. Puis que vu que je suis rendu habitué, c'est rendu un automatisme, le mode avion pour cette équipe-là.
Je me suis jamais fait prendre, mais je connais bien des joueurs qui ont fait, au lieu de faire 8 millions, ils se sont claqués un 102 000, puis c'est ça. Ça fait m'est arrivé c'est personnellement, vraiment... c'est frustrant, mais ça arrive. C'est pour ça que le mode avion, ben important. Ouais, mais voilà. On y va-tu avec la run Phase 4? Oui, j'ai hâte de voir ça. Allons-y, allons-y. Écoutez, ça faisait longtemps que je l'avais faite en plus, mais ça donne que ça a super bien été. Normalement, l'idéal, ça serait de partir en phase 3. Mais de la manière que ça marche chez EQ, c'est qu'on passe de 30 % à zéro d'un coup, fait qu'on ne peut pas nécessairement partir en P3. Donc, si je suis partie à 99 %, donc le but de la P3, en fait, votre but principal quand vous commencez, c'est d'enlever toute la protection avec vos Night Sisters. Parce que les Night Sisters, à chaque fois qu'ils vont passer en dessous de 100 % grâce au lead de Ventress, ils vont gagner 50 % de jauge de tour. Donc, c'est le nerf de la guerre dans cette phase-là, c'est d'amener toujours Talia à 100 %. Pourquoi Talia, vous allez me dire? Parce qu'elle, avec son attaque de base, elle va régénérer toutes vos autres Night Sisters. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai essayé de me débarrasser tranquillement de la protection. Il n'y a pas vraiment de scénario idéal pour s'en débarrasser le plus rapidement, mais il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est, vous savez, les petits chiffres au-dessus de la tête à trial, les stacks qu'on appelle, enlevez-les pas jusqu'à temps que la majorité de vos Night Sisters et surtout Talia n'aient plus de protection. Donc ça, c'est le meilleur... la meilleure chose que je pourrais vous dire. Un très bon conseil, c'est un must. Ouais, j'ai utilisé mon premier heal parce que Talia arrivait à 100 % de santé. Fait qu'en fait, là, c'est du repeat tout le long. Votre but, c'est si Talia est moins de 100 % de santé, vous deviez la healer avec une de vos Night Sisters. Et si elle est à 100 % vous faites une autre attaque qu'un heal sur les personnages. Là, ça, c'est vraiment la base des Night Sisters en P4. Donc, je répète encore, Talia est à 50 %, vous healer comme j'ai fait ici avec Zombie. Puis elle, à son tour, vu qu'elle est à 100 %, elle va healer toutes les autres avec son attaque de base. Il y a quelques petits trucs qu'on a, quelques petits points, selon moi, qui sont importants. Vous allez voir, la manière de modder ces personnages-là, en fait, c'est qu'on veut le maximum d'attaques. Surtout, le personnage prioritaire, c'est vraiment Talia. Vous voulez lui mettre le maximum d'attaques pour qu'elle puisse healer le plus possible les personnages parce que la quantité de dommages qu'elle fait, elle va le redonner à ses sœurs de la nuit. Donc, c'est super important de lui mettre le maximum d'attaques. Ventress aussi et Tazine, c'est eux qui font tout le dommage. Donc, on veut leur donner le plus d'attaques possible. Pour ce qui est de Zombie et Daka, normalement, je leur mets seulement beaucoup de vie jumelée avec la vitesse. La vitesse n'est pas nécessaire ici, cependant, mais moi, je le fais parce que c'est moins compliqué ensuite changer mes modes lorsqu'on arrive en PVP avec ces personnages-là. Des petites choses qui sont importantes, comme j'ai dit, on met Talia au maximum d'attaques possibles pour pouvoir monter les chiffres sur la tête à Talia. Moi, je vous conseille, si vous avez des bonnes statistiques avec votre Tazine, d'aller à un maximum de 20. Normalement, j'essaie toujours d'enlever les chiffres sur la tête avec... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Un sport? Non, le truc pour enlever les chiffres sur la tête. En anglais, c'est Bonds of Weakness. Le Bonds of Weakness, c'est ça. Lien de faiblesse. Lien d'affaiblissement, peu importe. Ouais. Que quand vous les enlevez aux alentours de 20, puis ça va vous permettre d'avoir une Talia qui va normalement régénérer toujours vos Night Sisters à 100 %. Quoi vous dire d'autre? Ce qui est important, ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que, vous savez, quand vous attaquez Nihilus, avec vos Night Sisters et qui ont une defense down sur la tête, donc qui ont leur défense affaiblie, ça va redonner de la protection à Nihilus, même si vos Night Sisters en ont plus sur la tête. Fait que ça, c'est super important. J'ai été un bout à penser que s'il n'y en avait plus sur la tête, ça ne redonnait pas nécessairement à Nihilus, mais ce n'est pas le cas. Même si vous avez
protection sur la tête, ça va quand même redonner de la protection à Nihilus si vous avez déjà un Defense Down sur vos Night Sister. Fait que ce que je vous conseille, c'est d'éviter vos attaques de base sur Nihilus quand ça arrive. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attaquer Saiyan à la place. Fait que c'est ça qui est super important. Puis n'hésitez pas à jouer avec le turn meter à Saiyan, parce que quand Saiyan va attaquer votre zombie, quand vous avez tous les états, évidemment, si jamais zombie tombe en dessous de 50%, ça va donner du turn meter à Talzin. Et si jamais il meurt, ça va donner du turn meter à Ventress et à Daka. Fait qu'n'hésitez pas à jouer avec ça pour essayer de vous redonner le plus de turn meter possible. Puis écoutez, bon score si vous respectez un peu ce qu'on a parlé tantôt, le maximum d'attaque à Talia, puis les autres surtout avec de l'attaque pour Ventress et Talzin, puis les deux autres, juste que vous leur mettez de la santé. Mais en gros, là, cette phase-là, c'est simple, c'est du repeat sans cesse. Oui, puis c'est long. Écoutez, ça m'a pris 40 minutes faire cette run-là, puis je pense être quand même habituée, puis pas avoir oublié rien, mais non, c'est quand même une très, très belle description. Ça, c'est vraiment long comme run. Faut que tu aies du temps devant toi. Puis souvent, c'est le genre de run que le monde se servait. Bon, on s'en sert plus autant parce que là, on l'a montré pour le montrer aux gens. Mais sinon, le monde, nous, on se servait de ça pour faire toute Nihilus au début quand on commençait à faire le sit raid dans le fond. Puis, juste une chose hyper importante, tantôt je vous ai parlé, si jamais vous avez des Defense Down, d'attaquer Saiyan à la place de Nihilus pour ne pas redonner de la protection à Nihilus. Mais la seule chose qui est hyper importante, Talia, 100% du temps, elle va attaquer Nihilus, même si elle a des Defense Down. Parce que Nihilus a beaucoup moins de protection que Saiyan. Donc, si vous attaquez Nihilus, elle va pouvoir redonner plus de santé à ses Night Sisters que si vous attaquez Saiyan. Je vous donne un exemple. Par exemple, que j'attaque Talia avec Nihilus, par exemple, je vais faire 10 000 de dégâts. Je donne un chiffre au hasard et mes Night Sisters vont redonner 10 000 de santé. Talia va redonner 10 000 de santé à mes Night Sisters. Comparativement que si j'attaque Saiyan, ça va peut-être être 4 000 pour la même attaque. Fait que peut-être que mes Night Sisters ne reviendront pas à 100% nécessairement. Fait que ça, c'était juste un petit point à porter. Mais sinon, là, écoutez, c'est du repeat sans cesse. Il n'y a pas vraiment de tactique, c'est juste... Ben oui, il y a une tactique, on s'entend, c'est, là, c'est mais... C'est vraiment de ne pas oublier d'enlever les liens ouais. de fatalité d'affaiblissement. Puis de ne pas utiliser... Oui. De pas utiliser aussi, dans le fond, c'est ça, l'affaire qui est importante, c'est de ne pas utiliser son attaque de base quand on a le defense down, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est moins... c'est on donne la protection à Nihilus puis les dommages s'annulent. Fait que, tu sais, dans le fond, peut-être d'attaquer Saiyan ou d'utiliser quand tes spéciales sont up, d'utiliser ça. Ça, c'est dans le fond, c'est la grosse différence. C'est ce qui est important, si je me trompe pas. Puis écoutez, si vous c'est sans vouloir me vanter, là, mais si vous faites bien ce que je vous ai dit, normalement, là, vous allez pouvoir aller chercher des runs quand même assez intéressantes. Si vous montez bien votre attaque, vous laissez faire la vitesse, là, sans problème, vous allez pouvoir aller vous chercher du 40-50%. Ouais. Fait que c'est juste de bien calculer vos choses. Mais écoutez, assurez-vous de ne pas avoir autre chose à faire cette soirée-là parce que ça va quand même vous prendre pas mal de temps. Mais faire un bon score, dans ce cas-ci, j'ai fait je pense quasiment 75% de la P4, c'est quand même satisfaisant de le faire. Denis-Lus. Puis ça va donner. Oui, il y a un peu de Saiyan là-dedans aussi, en effet. Fait que c'est quand même super intéressant comme run à faire, mais ça prend énormément de temps. Puis juste pour ceux qui se demandaient là, pour le Annihilate, normalement, là, si vous respectez bien la séquence, Zombie va probablement toujours avoir le taunt sur la tête. Hey, c'est bon, hein? 10 millions. 10 millions, ça vaut son pesant d'or, c'est ouais. Ça. Yeah! Hey, bravo! C'était ma première run en, je pense, 2 mois, mais ça a donné que c'est la bonne. Ouais. C'est excellent. Pour vrai, vous avez théoriquement besoin de 2 personnes. Nous, on roulait comme ça dans le temps. 2 personnes qui s'occupent juste de Nihilus en phase 4. Puis ça vous permet de tellement pas perdre de ouais. d'effectifs en phase 4 qu'après ça, la finale, quand il reste juste Sion puis Treya, ça vous donne une chance. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait les Rux, normalement, une fois que vous avez passé Nihilus, si vous avez bien fait toutes les autres attaques selon...
poursuite de l'Alliance, là, selon ce qu'on avait prédéfini. Une fois que vous avez passé les Nihilus, normalement, là, c'est dans la poche. Ouais. Vous sortez tout ce que vous avez, puis vous êtes capable de finir le Héroïque. Ouais, c'est ça. Yes, comme Paul QF4GM mentionne, c'est vrai qu'on a beaucoup de viewers à soir. Merci à tout le monde d'être là. C'est oui. Incroyable. Ouais, 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 c'est cool. J'espère que vous avez appris des choses. On s'attendait pas là. À ça. Ouais. Non, c'est vraiment le fun. Non, ben c'est ça. Ça... Les bouches bées. Oh, on en est bouche bée, on s'attendait à, mettons, 20 personnes, mais là, c'est sûr qu'à 250 et plus, il y a quelque chose. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est quand même un sujet qui intéresse les gens, les Night Sisters, ouais. Puis je pense qu'ils ont quand même été, sans être la méta, ils ont été, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un peu la raison pourquoi j'ai dominé longtemps en Heroic Citrus. C'est ta une signature. Équipe... Ouais, c'est en plein ça. C'est une équipe qui permet vraiment de faire des scores super importants, puis qui permet de se démarquer en héroïque comparativement à des gens qui commencent, qui ont des Bastillas, qui ont des GTR. Au début, on ne fait pas beaucoup, tandis qu'avec une team Night Sister, vous êtes capable d'aller chercher un énorme pointage. Fait que, exactement. Non, c'est vraiment, intéressant à monter. Puis c'est pas une équipe qui est très, très difficile à monter, en plus à farmer. C'est pas. Tu sais, il y a des équipes qui ont beaucoup de prérequis. Tandis que les Night Sisters, il n'y a pas nécessairement de gros prérequis. C'est des personnages qui se farment un peu partout. Tu sais, GTR, il y a des prérequis. Il y a BB8 qui est un prérequis. Il y a R2 qu'il faut aller chercher. Il y a après ça, avoir GTR, c'est une équipe qui est quand même longue à farmer avec les vétérans qui servent un peu à rien après. Tandis que les Sœurs de la Nuit, c'est une bon équipe. Partout. C'est ça. C'est bon partout. C'est une équipe. C'est un good all-around encore. C'est plus la méta du tout en PvP. Sauf que ça reste que les Night Sisters sont capables de battre Raven quand même assez facilement. À toutes les fois qu'une méta qui sort, il y a tout le temps quelqu'un qui sort une équipe en offensive qui est capable de sortir la méta avec les Night Sisters. C'est sûr. Ben, ça a toujours été le cas. Les Night Sisters, en fait, là, depuis qu'ils existent, là, en offensive, là, sont capables de battre à peu près n'importe quoi à cause qu'ils revivent, à cause qu'eux autres mourir, c'est pas grave. Particulièrement quand t'as Thousand Lead, même avec Assage par exemple, c'est vrai aussi. Si ton zombie est capable de meurt, il devient de plus en plus fort. Voilà, je m'en sers à toutes les sauces en Territory War. Elle me permet de battre beaucoup d'équipes, des teams de mémoire. GTR, facile avec ça. Avec Bastila aussi. Même CLS, ça peut être quelque chose quand même assez bien. Fait que c'est des équipes clés, surtout en Territory War. Là, on ne le verra pas au cours des prochains. Mais c'est une équipe, je pense, qui vaut la peine d'être montée pour vraiment n'importe qui. Puis c'est une équipe clé vraiment dans le roster de quelqu'un. Fait que moi, les Night Sisters, ça a longtemps été mon dada, puis ça va toujours le rester dans mon cœur, mais c'est vraiment une équipe numéro un selon moi, même si elle est moins méta, si vous voulez, qu'elle a déjà été. Mm-hmm. Ouais, toujours, non, c'est vraiment une bonne team. Puis il y a beaucoup de monde. Je comprends qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Parce que c'est une équipe qui fonctionne différemment d'à peu près toutes les autres équipes. Leur mécanique est originale, mais moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec eux autres, parce que c'est sûrement pas leur beauté, parce qu'ils sont laids. pas mal, mais... Te faire dire que tu ressembles à une Night Sister, c'est pas très gentil, mettons. Non, exact. Moi, j'aimais beaucoup les animations puis le sifflet d'arbitre que Tarzan avait sur son basic attack, ça m'a toujours épaté. Ouais, moi, je joue pas avec le son. Fait que moi non plus. Ah ouais, elle a un sifflet d'arbitre quand elle fait son basic attack, c'est vraiment cool. Et vous essayerez ça à la maison. Mais c'est ça, tu sais, c'est une équipe qui fonctionne différemment. Tu sais, c'est ça, comme je disais, c'est la mécanique qui est vraiment originale. Puis c'est ce qui est le fun parce que sont allés chercher quelque chose de très cool avec ces. C'est pas une équipe qui est overpowered, tu sais, un peu comme présentement, moi je trouve, tu sais, puis c'est pas parce que je l'ai pas, là. Tu sais, c'est 3 PO. Moi, je trouve que pour un personnage facile à aller chercher comme ça, il est un petit peu fort, peut-être. Il rend les rebelles un petit peu trop forts. Il a juste une petite coche de trop. Il s'est pas exagéré, mais il est vraiment fort. Tandis que les Night Sisters, pour qu'ils soient forts, il faut quand même que tu les étudies et que tu les utilises. La preuve, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Là, après notre vidéo, tout le monde va être capable de faire des bons scores en phase 3 et en phase 4. Sauf que c'est une équipe qu'il faut étudier. Tandis que GTR, on s'entend que si t'as les bons. À partir du moment que tu as les bons specs, et voilà, let's go, t'attaques, c'est.
TPS full pin, ça décloche. Tandis que les Night Sisters, si tu les utilises pas comme il faut, tu vas rien faire de bon avec eux autres. Fait que, tu sais, c'est une équipe qui est intéressante. Quand tu as appris à les utiliser, tu es un meilleur joueur après. Ouais, parce que c'est vraiment une bonne équipe pour se familiariser avec le genre de mécanique que le jeu peut offrir. Là. Oui, surtout, exact. Ce qui est spécial avec les Sœurs de la Nuit, c'est que dépendant quel type de jeu que tu es en train de faire avec elles, est-ce que tu es en arène, est-ce que tu es en P3 du Hachit, est-ce que tu es en Territory War, est-ce que tu es en P4, il y a différentes manières d'émoder à chaque fois. Oui. Fait que c'est ça qui fait que c'est une équipe qui représente quand même beaucoup de stratégies, c'est qu'il n'y a pas une manière de les utiliser. Voilà. Superbe, il disait, rappelle-moi, c'est qui doit être rapide en P3? C'est Asajj puis Daka doivent être très, 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 très rapides. En PVP, idéalement, ils doivent tous être rapides si tu utilises Tarzan. Après ça, en P4, zéro speed. Et ça, c'est que c'est le fun. Tu peux y aller full offense, attaque au bout en phase 4, puis même avec Asajj en PVP, c'est un peu la même mécanique. Un coup que t'as perdu ta protection, tu as juste à utiliser le heal de la même façon qu'en phase 4, puis ça va bien aller, là. Je veux dire, tu seras peut-être pas le premier à y aller, mais après ça, tu vas pouvoir gagner du turn meter, même en PVP, avec une équipe Asajj qui est pas si rapide que ça. Fait que tu sais, c'est ça, il y a deux façons de les modder selon le leader que tu utilises. Tarzan, ça prend de la vitesse, puis pas Asajj, beaucoup moins en tout cas. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant selon les modes que tu as disponibles. Ça peut être aussi, tu sais, une occasion de choisir le lead que tu vas prendre. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup de modes de speed, de modes de vitesse, tu peux y aller plus lead, avec Asajj. Et voilà. Tandis que si t'as des bons modes de speed, mais que t'as ton offense, parce que c'est sûr que moi, quand j'utilise ma Asajj en phase 4. D'ailleurs, je vais la réaliser avec les bons commentaires, les bons conseils de Sublunch. Je vais. Ma Asajj au moins 3,5K d'offense. Tandis qu'en phase 3, j'ai 3,1K d'offense, puis c'est bien en masse. C'est vraiment la vitesse. Il y a un ratio comme à pas dépasser. Je pourrais peut-être essayer éventuellement de le fournir. Je ne l'ai pas. Je l'ai déjà su, mais tu sais, tu peux. Plus tu gagnes de vitesse, plus ça va compenser pour la perte, parce que c'est pas vrai que tout le monde a des mods avec 150 d'offense en secondaire puis un 17 de vitesse. Là, je veux dire, c'est des mods qui sont super rares. Là, fait que non, c'est souvent, mais soit on aimerait tout ça. Il y a moyen de faire aussi moins. Tu n'es pas obligé de faire 80% de Nihilus. Tu peux t'en sortir avec 4 personnes qui font 25% puis c'est déjà très, 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 voilà, très voilà. Mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont l'esprit de compétition aiguisé, puis on veut toujours faire de notre mieux, fait que maintenant, c'est moins important. Maintenant, chez EQ, on fait le sit raid en 2 heures, là, mais pour les nouvelles guides, c'est important de remettre en fonction d'où est-ce que vous allez l'utiliser, puis c'est vraiment la clé du succès, puis je dirais jamais assez en P4. Le maximum d'attaque sur Talia, c'est ça qui va vous permettre de progresser puis faire le plus possible, là. Yes, exactement. Ouais. Avez-vous d'autres choses à dire avant la fin ou? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai passé une super belle heure avec vous autres. Moi-même, j'ai appris des choses. Moi aussi, la phase 3, 4, surtout. Moi, je connais rien en phase 3, personnellement. Ouais. Non, moi, la phase 3, c'est vraiment mon. Je suis pas capable de faire cette équipe-là. C'est... Non. Faudrait que j'y mette un peu de temps, un peu d'amour, là, mais ouais. Je vais regarder ce que tu as dit, puis je vais m'adapter. J'espère vraiment qu'on a réussi à vous transmettre notre passion pour les Sœurs de la Nuit, parce que c'est une équipe qui vaut la peine d'être investie. Puis pour une équipe aussi versatile, d'avoir 3-4 états, comparativement d'autres qui en prennent parfois 6, je pense que ça vaut la peine. Ouais. GTR, Revan aussi en prend beaucoup. Trya aussi. Même Bastille, toutes là. Fait qu'une bonne équipe comme ça, là, ça vaut la peine d'investir. Yes. Voilà. Cool, bon, ben, sur ça, en mon content nom... d'être avec vous autres. Content d'avoir fait cette émission-là. Ben ouais, ça a passé vraiment vite, pour vrai, l'heure. Vous écouter parler, ouais. Là, ben, moi, comme vous disiez, j'en ai tellement appris, puis c'est parfait comme ça, puis je pense qu'on a aidé pas mal de monde aussi à soir qui vont pouvoir performer, puis on va voir ça dans pas trop long dans nos guildes. Ça va sortir des gros scores, puis ça va être bon. Souhaitons-le. On l'espère. Parfait, les amis. Bon, ben sur ça, en mon nom, celui de Sublunch est superbe. On vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous encore une fois.
Et à la prochaine! Bye bye! À la prochaine!